Et coucou. Comment est-ce que vous allez? Eh oui, de nouveau un Tipix dans le Nord. Un Tipix qui essaye de se préserver un maximum de la chaleur. Ah, coucou Clotilde, comment ça va? Enfin, moment. Comment tu vas bien? Du coup, coucou Thunder, coucou El Bisu. Merci Moondracor pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Salut Bifbouf GameDev, et j'ai vu aussi, j'ai vu passer Coca-Colique au tout début. Coucou à toi, et puis tout coucou à celles et ceux qui sont en lurk. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à bien vous mettre dans le noir un maximum. Buvez, buvez un maximum, et aussi, et puis un petit ventilo, ça fait pas de mal. Ça va en week-end? Oh! Oh! Jetons-lui des tomates. C'est bien parce que comme ça, on peut les récupérer et faire une salade. Mal, rien ne fonctionne. Ouais, j'ai lu ça. Bah voilà, tu peux dire que t'es en chômage technique. Bon, j'espère que tu vas bien, Clotilde. On va essayer de pas trop être jaloux. Après, je dis ça, et puis je pense que l'après-midi va être assez courte aussi parce qu'il fait chaud. Genre hier, bah du coup, on a fait le test du jeu de pierre. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Et après, en fait, j'étais incapable de taffer. Du coup, j'ai bossé hier soir. Genre à partir de 20h, ouais, 20h, on avait ouvert tout en grand, et il y avait des bourrasques et tout, ça faisait du bien. Ça a pas beaucoup plus refroidi l'appartement, mais bon, vivement qu'on déménage. Coucou là-haut, comment ça va? C'était bien, ouais, le jeu de pierre, il est cool. Il est cool et il a une bonne core loop. Il manque pas mal de petites améliorations de type quality of life, mais en vrai, la core loop, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très très bien. J'aime bien les tomates, voilà, parfait. On va te faire en loutré, s'il te plaît. C'est mignon, en loutré. Ça s'est bien passé, merci. T'avances bien, du coup, sur ton projet, Moon? J'ai toujours envie de t'appeler Moon Moon, mais ça me fait penser, tu sais, à ce mème avec le loup. Moon Moon, attends. Est-ce qu'il y a une image? C'est un peu Moon Moon. Moon Moon, mince. Le loup débile. Il y en a eu plein, à un moment donné, il n'y avait que ça. Bon, bref, je me distrais. Ben voilà, avec le chien, parfait. Bon, aujourd'hui, je suis à l'envers. Aujourd'hui, je regarde le mur. Aujourd'hui, je boude. Non, hop, j'ai dit. Voilà. Je crois que c'était le gaming qui faisait que. D'ailleurs. On se retrouve après à 18h pour du gaming. Je me suis un peu spoilé parce que j'avais pas envie de chercher pendant 10 ans la suite. Donc je me suis un petit peu spoilé où est-ce qu'on est dans FF2 et en fait on est pas loin de la fin. Donc si on le finit pas tout à l'heure à 18h, on le finira dans tous les cas dimanche. Et c'est cool parce que comme ça je l'aurais fini avant les vacances. Superbe transition, Tipix. Merci. Les vacances, j'avais dit que je vous en parlerai hier, je vous en ai pas du tout parlé. Donc à vos agendas. Donc live. Aujourd'hui, live dimanche soir. Probablement, enfin très probablement, live lundi après-midi game dev classique. Ça avance, je teste Dotwing pour mes besoins. Ah, t'as vu, c'est cool, hein. Du coup, c'est dur le réveil ce matin. Ah oui, j'y reviens juste après. Et mardi, alors pas de live mardi soir de sûr. Et je sais pas si live mardi aussi. Je sais pas encore. Dans tous les cas, moi, à partir de mercredi, je suis en vacances et je ne reviens qu'ici le vendredi 3. Pause presque 2 semaines. Donc, ça va faire du bien. Et donc, du coup, soit si je suis motivé à un live le dimanche 5 juin. Ouais, vacances. Dimanche 5 juin, peut-être un live le soir, où on commencera probablement FF3, sauf si on l'a commencé dimanche. Sinon, on reprendra avec le lundi 6. Voilà. Donc, ouais, vous allez avoir 2 semaines de pause de Tipix. Vacances, genre, t'as le droit, toi, tu ne nous appartiens pas. C'est vrai que je vous appartiens un peu. Est-ce que vous m'autorisez? Je pense qu'il faut. Il faut faire un sondage. Hop.
Est-ce qu'on l'autorise à partir en vac? Oui, non. Attention, vous avez 2 minutes pour répondre. Le sondage débile. On te fera un mot dans le carnet. Ah, j'espère bien. Ah là là. Ah non, vous êtes méchant. Offre 4 mois de vacances mini atypiques. Ah, il est gentil, le bisu. J'avoue que mon corps m'a dit, hey, tu es vieux, tu es crevé, je t'empêche de dormir, Tarb. Ah ouais, t'as mal dormi aussi hein? Ouais, donc du coup, cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir, à cause de la chaleur, entre autres. Enfin, je pense, surtout à cause de la chaleur. Et j'ai pas regardé l'heure, mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec un mal de crâne. Infâme, genre tout là, tout sur l'arrière du crâne. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je dormais dans une mauvaise position, mais je trouve ça bizarre. Est-ce que c'était le ventilo qui... je sais pas, mais c'était super bizarre. Bonjour, qui occupera mes journées de la semaine prochaine? Je suis désolé, MT. Bon, il y a sûrement... il y a plein d'autres protopotes là qui sont en live l'après-midi. Ah la vache, il y a 5 non et 2 oui. Bah les 2 oui, vous êtes mes viewers préférés, les autres je vous aime plus. J'étais bien, puis crampe, puis... Oula! Ah ouais, putain, ah ouais. Oh, se faire réveiller par une crampe, c'est pareil, c'est tellement horrible comme sensation. C'est du Minecraft, ça? Ouais, c'est du Minecraft. Ok, unfollowed. Dab, moi j'ai voté non. Bande de méchants. Non, mais en vrai, ouais, je sais. Le pire, c'est que pour un stream, ça fait mal hein, de partir 2 semaines. Parce que bah, les gens ont le temps de s'habituer à quelqu'un d'autre la semaine d'après. Bon. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Je vais pas je sais qu'il y a des gens qui stream tout le temps de peur que leur stat diminue et autres. Je vais pas m'arrêter de vivre. Le stream, c'est bien, mais le prendre soin de soi, c'est mieux. Hop, boire un coup. Mais j'en ai des préférés. Ah ouais, voilà. 5 qui ont dit non, quoi. Ah, bande de vilains. Sinon, moi aussi j'ai mal dormi, je me suis levé avec une crampe. Bah, décidément, c'est la pleine lune ou quoi? Allez, on va tous chez Baba et on revient pas chez Tipix. Bah, entre autres, Baba c'est une valeur sûre. D'ailleurs, on va sûrement, vu que je serai de passage sur Strasbourg, on va sûrement, parce que je crois qu'il est sur Strasbourg, on va sûrement se caler une bière ou une bouffe ensemble. Du coup, je vais peut-être lui faire sauter un live. Il va en Allemagne. Ah, Strasbourg, c'est pas l'Allemagne. Strasbourg, meilleure ville de France. Oui, j'adore Strasbourg. Lui, il s'est rasé les cheveux au moins. Mais je t'ai jamais rien promis, Thunder. C'est toi qui t'es monté à tête tout seul. Hein. Non, Coca. Bon, ok, aujourd'hui on rajoute un skill. Aujourd'hui on rajoute un skill en plus de pousser à tirer que j'ai terminé d'installer. On va rajouter un skill de rotation, c'est-à-dire que toutes les entités qui sont sur la ligne qui vont être touchées par ce skill, elles vont rotater d'un cran, d'un sixième d'hexagone dans le sens horaire. Et donc du coup j'en étais là, et là je me suis dit, oh putain, avec le système que j'ai fait pour les attaques, ça va être ultra fun. Spoiler, non. En étant lorrain, je sais que je suis frontalier à l'Allemagne. La preuve, ils ont encore des journaux en allemand. Le lécon, ce qui lécon, quoi? C'est pas de moi? J'ai pas compris, bisous. Po po po. T'es verrou, Coca, du coup? Est-ce que t'es très frontalier? Parce que... Après, c'est vrai que Strasbourg, ouais, tu passes un moment le tram, tu te retrouves en Allemagne. Je crois, hein. Tu me mets le doute. Mais ouais, c'est une ville que j'aime beaucoup. Bah alors? Le skill, les cons.
C'est vrai que oui, c'est vraiment à la frontière à Strasbourg, pour le coup. Ah oui, c'est ça, à quelle tu te retrouves en Allemagne, au bout du tram. Lunéville, proche Nancy, je suis à 20 minutes de voiture de Nancy et 40 minutes de Strasbourg. Donc genre, chez toi, à 40 minutes de Strasbourg, il y a des journaux en Allemagne? Le Théo, peut-être pas le Théo quand même. Il y aurait beaucoup de Théo, dis donc, si à chaque fois qu'il y avait une bague de merde, j'en faisais un. Strasbourg me manque. Oui, c'est beau. Et on mange bien. Ok. Ok. Du coup, avec mon système d'attaque. Nancy, c'est la ville des gens qui sont indécis. Alors là, par contre, tu vas mériter ton Théo. Non, mais à Strasbourg, oui. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe s'il y avait des journaux allemands, Coca. Tu le veux, hein? Tu le veux? Apparemment, tu m'as fait croire que t'en avais eu un chez Tita. Hein. Mais moi, je vais oser le faire, hein. Fais gaffe, hein. Bon, alors, du coup, faut que je change les attaques possibilities. Enfin, ça, c'est les attaques data. Et attaque possibility, il faut que je change. Create attack possibility. C'est la ville d'une place. J'ai pas compris. La ville d'une Nancy. La ville d'une place. Ah, je l'ai pas là, tiens. Ah, ça me rassure, Thunder. Nancy est juste connue pour sa place. Ah bon? Ah, oui, ok. Là, j'ai un défaut en termes de connaissances géographiques. Ce matin, pour lui, il a pas fait exprès. Il a encore les doigts dans le pâté. Oh, bah, j'espère qu'il se lavera les mains parce que ça pue. Hein. Bon. Create attack possibility. Le from changerait pas. La direction, je l'ai. Et le range of set. Où est-ce que je le sors, ce range of set? Je peux dire attack data, attack possibility, c'est égal à ça pour le CAC. Et à ça pour la distance. Vas-y, on va faire simple d'abord, on va commencer qu'avec des gens au CAC. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas dans les préfabs. Non plus, dans les ressources, level test. Ah ben, je suis obligé de le fermer. On va laisser le CAC. Voilà. Et ce i, c'est la direction. Est-ce que je l'ai dans... Current tapé, attack possibility. Ouais, num direction, je l'ai, ok. On va y arriver. Le guide Lonely Planet est dit la place Stanislas, quatrième plus belle place du monde. Ah ouais? Ok. Je suis les championnats du monde Warhammer. Agent of... non. Ah, c'est pas Agent... Age of Sigmar. Ah ouais, c'est moi, j'ai envie de lire Agent of Shield. En ce moment, c'est terrible, j'ai envie de m'y remettre. Ah ouais, j'ai jamais fait. J'ai fait un petit peu... de peinture sur figue, mais le wargame, j'ai l'impression que ça me prendrait trop de temps.
Je fais déjà trop de choses. Je peux pas avoir trop de autant de passion. Par contre, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Salut Florichon, comment ça va? Les championnats du monde de Warhammer. D'ailleurs, il y a carrément des championnats du monde. Ah, je viens de voir le titre de stream, il est parfait. La tronche de X. Alors pourquoi la tronche de X? Mais surtout les fixes post-IPX. Ah, merci beaucoup pour ton raid, Pierre. J'espère que tu vas bien. Salut Lord Friteuse, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent avec Pierre. J'espère que ton live s'est bien passé. Ah non, un deuxième qui dit coucouille. J'avais déjà Max Land qui le faisait. Maintenant j'en ai deux. Salut Eonir, t'étais chez Pierre. J'espère que ça s'est bien passé. Ton live, Pierre. Coucou à toutes et tous. Moi je suis Atypix, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis aussi développeur de jeux et je travaille actuellement sur un jeu de type Tactical. T'étais en lurk ici aussi. Waouh, il fait du multi-stream. Ça va, on a quasiment fixé tous les petits retours. Les petits retours, tu veux dire les bugs ou aussi les trucs de type quality of life? Et donc là, j'étais en train de... Ah, c'est Coca, d'accord. J'avais pas le message. Merci beaucoup, Coca. Coca qui a transformé son Prime en T1. Eh bien, merci beaucoup, Coca. Ça fait super plaisir. Tu comptes double du coup. C'est vrai ça, tiens. Un peu tout, genre, on a fait le double clic pour mettre les persos dans l'équipe. L'auto-select s'il ne reste qu'un perso. Ah oui, d'accord, oui. Putain, j'avais déjà oublié que je t'avais fait tous ces petits retours. Mais je pense que je t'ai dit pas mal de choses. En fait, tu dois avoir une belle liste, non, après hier. De rien, pour les vacances. Merci beaucoup. Du coup, j'étais en train de... Est-ce que je peux vous montrer le jeu? Parce que là, évidemment, il y a un raid au moment où je... Voilà, j'ai un truc tout pété. Tech data. Bon. En gros, je fais un jeu qui se veut dans la veine d'Into the Breach. Est-ce que ça marche si je fais ça? Est-ce que je peux vous le montrer? Il faudrait que j'ai une build, en fait, régulièrement. Le problème, c'est que le jeu change vraiment tous les jours, donc... Je vais tester Next Raid. et qui ressemble à ça pour l'instant. Oula, ouais. Le resize a toujours du mal. Et donc le principe c'est... Bon là, toutes les unités sont les mêmes parce que je faisais un test. Le principe c'est que comme l'excellent jeu Into the Breach, des ennemis se déplacent et préparent leur attaque. Et nous on joue cette entité là, qui est le gardien. Et qui a accès à plusieurs sorts... pour pouvoir agir sur le terrain, mais il ne pourra pas faire de dégâts directement aux ennemis. Et le but, c'est d'éliminer celui-là, qui est l'alpha, qui a le plus de cœur. Et pour cela, il a plusieurs sorts. Merci, Jolai, pour ton follow. Bienvenue à toi. Qui vont être de pousser. Donc d'abord, ça va pousser tout sur une ligne. Qui vont être aussi d'attirer. Attirer tout sur une ligne. Et là, j'étais en train de mettre en place le fait que... Du coup, oui, ça me sélectionne... sélectionne ça. Le fait que ça fait une rotation sur tous ceux sur une ligne. Vu que les attaques sont orientées, bah du coup si je fais une rotation, celui-là il va se mettre à attaquer là. Celui-là il va se mettre à attaquer là. Donc voilà, on est en train de faire ça au moment du raid. Du coup. Puis on fait aussi un petit peu de gaming, comme tout à l'heure à 18h, et on fait un petit peu de 3D, même si ce matin j'ai préféré dormir à la place. En vrai, j'ai pas tant dormi que ça. C'est ce qui me rend un peu vénère, c'est que j'ai fait sauter le stream de ce matin, et en plus j'ai pas pu me reposer. Comme je disais sur... je crois que je vous l'ai mis sur le Discord, il y a les voisins du dessous qui changent leur volet. Bam, 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 les marteaux à 8h30, t'es là. Allez, c'est bon, laisse tomber. J'arriverai pas à me rendormir. Du coup, où est-ce que j'en étais? Faut que je fasse une nouvelle...
café, alors du coup. Elle a des attaques ready. Ah, s'il a pas d'attaque, ça sert à rien qu'on fasse tout ça. Et s'il en a une, un streamer qui fait la grasse mat, le non-respect. Franchement. C'était. Mince, comment elle s'appelle? Une des nouvelles protopotes. Qui disait attends, mais tu bosses de toi-même et tu te lèves le matin, je sais pas comment tu fais. Ah bah ouais, mais il faut bien. Il faut bien que les projets avancent. En plus, je suis plutôt du matin, moi. Je suis plutôt du matin et du soir. C'est curieux parce qu'au final, je fais les lives game dev l'après-midi. Mais c'est pour pas être trop désynchronisé hein, avec notamment Sita. Elle, elle est pas du matin, elle est plutôt de l'après-midi du soir. Bon, alors. Direction. N.Kurentape.num direction. Plus step. If direction supérieure à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc supérieure à 5. Direction égale 0. D'ailleurs, on peut prévoir la suite. If inférieur à 0, direction égale 5. Pourquoi 0 et 5? Parce qu'en fait, vu qu'on travaille sur des hexagones, bah, la direction 0, c'est là, je crois. Puis ensuite, 0, c'est là. Ah, ma souris, voilà. 0, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup plus facile hein, pour se représenter après. Donc là, j'ai la direction. Je peux le mettre là. Et ici, from n pour le current tapé, from coordinate. Ouais. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, et puis. Il faudrait qu'il look at au bon endroit aussi. Ah! Bravo dans le sens indirect. Comme ça, comment ça le sens indirect? M'appuie, update, after map change. Ça et. Il manque un truc. Ah oui. Bon, ça c'est un détail, mais qui regarde dans le bon sens. Le lookat, je l'ai fait où? Lookat best, ça c'est quand il se déplace. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le sens direct, sens anti-horaire, c'est intrigo. Ah, direct, c'est anti-horaire. À quel moment il y a le mec qui s'est dit c'était le bon truc? J'aurais dit que c'était le sens horaire. J'avoue, je m'en souviens plus, ouais. Le seul truc que j'utilise aujourd'hui pour les radians, c'est le sin, le cos et éventuellement le tan, le tan, le tangente. Même si en vrai, j'utilise surtout le atan 2. Qui permet d'avoir un angle entre deux points. Tu pars de la droite du cercle et tu vas vers le. Ouais, c'est ça, ouais, anti-horaire. Hein. Mais. Vu que par exemple, pas mal de notre. Notre vie est régie par le temps, par les horloges et tout ça, c'est le sens logique, le sens horaire. Tiens, j'ai fait un petit changement hier soir du coup. Là, vous voyez. La tuile que je survole en fait. Si c'est en rouge, je peux pas me TP dessus avec le. Avec le gardien. Ça évite de devoir repasser là-dessus pour voir où est-ce que je peux aller. Voilà, je fais ce petit changement de type quality of life justement.
Ok, alors. Test rotate all. Lui, il va regarder là. Normalement, lui va regarder là, là. Et lui, il va cibler ici. Verdict. Ça marche pas. Rassure-moi, je tombe bien dedans. Enfin, je vais bien dedans. J'ai l'impression que vraiment il y avait zéro. Le mieux, c'est que ça fonctionne. C'est ça. Salut Ducourte. Comment ça va? Pourquoi ça tourne pas? Non, je rentre bien dedans, mais... Les attaques ne changent pas. Les attaques ne changent pas. Une rotation invoke. Vérifier parce que là je rentre bien dedans. Là, je cherchais un truc hier sur Unity. Peut-être que les gens qui font du Unity là dans le chat peuvent peut-être m'aider. Mais sur Dead Cells, donc avec Axe à l'époque, on avait fait un système où quand on appuyait sur plus, ça accélérait le rythme du jeu et ça permettait notamment d'accélérer les cinématiques ou les phases un peu chiantes. Et j'ai pas retrouvé ça sur Unity. Ce serait pratique, ce genre, pour accélérer cette partie-là où les ennemis se placent et tout. Je gagnerais du temps, quoi. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors pourquoi ça ne change pas? Ah, mais non. Bah oui. Bah oui, monsieur. Hop. J'écris une nouvelle attaque, mais je l'ai associée à rien. Ah oui, du coup, c'est pas. Ça va être Force Next Attack, je pense. Super, ça supprime l'ancienne, ça met la bonne. Ah, il regarde directement. Ça met l'attaque preview. Ah oui, d'accord. Ah, oh, high five typique du passé. J'avais déjà fait ça, ça fait le café. En espérant que ça marche bien. Le timescale peut-être. Alors, bah, j'avais trouvé un truc dans application.target framerate. Mais non, ça faisait pas ce que je voulais. Par exemple, les coroutines restaient en temps réel. Les coroutines restaient en temps réel. Donc non, ça me donnait pas ce que je voulais. Parce qu'il faudrait aussi que ça impacte les coroutines. Si je dis que le jeu va deux fois plus vite, les coroutines se passent par rapport au temps du jeu. Exactement le bisu. Bah c'est bien, ouais. Il faut être content de soi des fois. On a dit café, attitude de dodo. Time scale. Ah. Merci du cours. This can be used for slow motion ou to speed up your application. When time scale is. Ah, nanana, oh! Nanana. Zero application access pause. Et genre, on peut changer ça comme ça? And suspend continue wait for second or not called. Mais c'est ce que. Attends. Oh là là, parce que. Si c'est ça. J'avais fait ça hier, mais ça marchait pas du tout. Time scale. En plus, c'est un scale, donc là, c'est propre. Je veux que ça aille trois fois plus vite. Si je fais moins, je veux que ça aille deux fois moins vite. Et si je touche à rien, c'est à 1. Oh, si c'est ça.
Moi, je me tombe des tapes dans le dos, mais ça pique les épaules. Ah, j'ai des images. Oui! Ah, trop bien. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je cherchais. Putain, pourquoi j'ai... Et pourtant, j'ai cherché hier. Pourquoi il m'a pas sorti ça comme résultat? Ah, je vais tellement gagner du temps. C'est bon, le projet sort la semaine prochaine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup du compte. Du coup, la rotation. Ah, les rotations sont en sens là. Ok, donc horaire c'est moins. Ah là là. Mirabel, fait longtemps! Comment ça va? Est-ce que t'as pas trop chaud? Hein? Pas la tête, faut pas toucher, ça risque de déconner un truc, faut pas. Quoi? Alléluia! À boire, ouais, exactement. À boire! Donner un sub à cet homme. J'aime bien Thunder qui dit ça et qui s'est fait rincer de sub depuis qu'il est là. Il a son troisième mois de sub et il s'est tous fait payer à chaque fois. C'est pas un reproche, hein, mais ça me fait rire que c'est toi qui dis ça. D'ailleurs, je vais aller remplir ma gourde d'eau fraîche. Je reviens de suite. A craqué du coup. Ah, c'est Onir, merci beaucoup. Et Onir qui s'est sub T1, merci beaucoup. Merci du soutien, les petits loups. Il y a eu un orage donc ça va. Ah, oh, tu veux pas me l'envoyer, Mirabel? Je crois qu'il arrive dimanche chez nous. Il va manquer l'alerte. Non, je l'ai vu. En fait, bah, vous avez vu les lumières? Je leur montre hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Allez, il veut pas le refaire? Je crois qu'il y a un peu de live. Mais bref, il y a les lumières qui clignotent partout, donc du coup on le voit dans sous l'appart quand il y a une alerte. Donc merci beaucoup Eonir. Salut Monsieur Kuhn, comment ça va? Putain, on va gagner du temps avec ça. D'ailleurs, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Parce que pareil, pour tester les fixes et tout, ça va être cool. Bah voilà, vous avez vu les lumières du coup. Ouais, c'est ça, ça ralentit les. Ah, ça va être trop bien. Merci beaucoup. Salut le tatou divin, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Attends, on est à 1034 follow. Est-ce qu'on va. Ça va tellement vite. C'est bizarre de temps en temps, l'appartement du voisin qui vient de partout. Alors non, je ne suis pas ton voisin. Sinon, je te dirais que tu te lèves vraiment très tard. Ah non, je pense que tu faisais, tu citais comme si c'était le voisin qui parlait. Le soir, ouais. Le soir, ils doivent le voir, effectivement. Le soir, ils pourraient le voir. La journée, je pense pas, par contre. Déjà parce que là, on allait. Ou toi, très tôt. C'est vrai. Attends. Les lives à 9h, il est 3h du mat, c'est chez toi, hein, c'est ça? Dur. Une discothèque cet appart. Ok, alors par contre j'ai vu que ça avait rotaté, mais du coup bah, comme tu le disais, Thunder dans le sens direct, où j'ai mis un plus, effectivement c'est le bon sens pour lui. Donc du coup je dirais par défaut, rotate, moins 1. Ah. Il y a eu un pic de conso dans tout l'immeuble à chaque sub. Peut-être, peut-être.
Je vais me rajouter un truc en debug. Je vais pouvoir le tuner ce truc-là. Enum debug speed game. Very slow. Slow. Oula. Ah, c'est des points virgules. Non, c'est des virgules. Slow. Normal. Fast. Et very fast. Ok. Public. So, comment on avait fait ça? Attends, avec plus, on accélérait. Avec moins, on réduisait. Ah, et avec fois. Non, j'ai pas besoin de faire ça en fait. C'est le fois qui me manquait. Le bouton multiplier. Numpad. Multiply. Faire fois 10. Et numpad divide. Là, c'est vraiment. Oula. Divisé par 10. Ouais, j'ai pas besoin de faire des num en fait. Numpad divide. Hop. Mouah, je suis le maître du temps. Multiplier x 10 plus x 3. Ouais, ça irait bien. Faites péter 15 sub gift. On fait une soirée GTPX. C'est tellement ça. Ah. Ah. Royal. Ah oui, j'ai commencé à taper une variable. Ok. C'était fois. Hop là, voilà. Stylé. Du coup, la rotation. Donc là, ils vont tous tourner. Les deux à gauche, ils vont pointer à droite. Et les deux à droite, ils vont pointer à droite. Ça marche! Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'une planète attaque. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Après ça c'était pour l'attaque au CAC, c'était le plus facile. 239. Une focus. Quoi? Oui, il va falloir que je remette du WD-40. Hein. Ok, next. C'est quoi AP? Il n'y a pas d'attaque. Il a forcément une attaque. Entity? Non. Targeting line est toujours GameObject. On va essayer. Hein.
Pile quand j'arrive sur le stream, quelqu'un me sollicite. Toutes nos sollicitations. En vrai, évite le WD-40, c'est un dégrippant, mais plutôt de la Belleville, Grèce. Alors, pour mon bras de micro, je pense que c'est un peu overkill d'aller mettre de la graisse. Alors qu'un dégrippant, justement, ça me paraît plus approprié. Focus. Bah ouais, mais waouh. J'ai mis du temps, je suis téléphone OK. Attends quoi? Lire en mode reportage. Un streamer se brise le cou en plein live, il s'appelle Typix TV. En le 20 mai 2022, il a soudain décidé de s'étirer les cervicales, mais ceci fait la dernière fois qu'en faisant ça, il s'est brisé le cou et est décédé devant la France entière. Twitch bannisse donc sa chaîne. J'ai été faire mon café, j'ai loupé quoi? Le ça plante. Ça marche, mais ça plante. Ça se paye d'être célèbre, c'est ça. Mon chef a programmé une coupure internet ce midi, sauf qu'il y a des machines qui se relancent mal et personne pour faire sauf Bibi. Tu es indispensable. Dans le dégrippant, on va faire 15 jours, un mois. La graisse sera encore là quand ton micro aura rendu le lave. Certes, certes. T'appelles ça du Belleville. De la Belleville. Ok, je garde dans un coin de ma tête, écoute. Ça se trouve dans quoi? En magasin de bricolage? Je suis indispensable pour les 4 jours qui me restent à travailler. Mais c'est toujours comme ça. Je suis téléphone. Je suis téléphone. Boubi boop. Je suis sur... Pourquoi t'as... T'as censuré ton message avec 3 étoiles en direct, t'as censuré. Je suis sûr. Attends, ça fait. Je suis sûr. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis. Écoutez-moi, je suis Thunder et je suis. J'ai dit surfait, hein, pour ceux qui voulaient savoir. Je sais pas ce que j'aurais pu dire comme autre mot. Ok. Ok, ok. Je comprends pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Si de type straight line, ouais, donc sinon on cache la ligne, bah ouais, mais j'ai jamais eu de problème avant. En plus on dirait que ça le fait que sur une entité. Surfait ce gros mot. Oui, bon. C'est le premier mot qui me suis passé. Je suis surfait. Mon petit cœur de 6 pixels vient de se fendre. C'est le premier mot qui me suis venu. En fait, vu que t'as mis 3 étoiles, j'ai cherché un mot avec un bout court. Ouais, sur Imi, ça marchait aussi, tu me diras. Sur côté, sur de moi, sur Inam, sur Imi. Tu vois le glacier que les cuillères de l'âge de glace cassant deux. Bah, mon amour propre vient de faire la même chose. Oh. Viens prendre ton bisou. Viens prendre ton bisou, je te dis. J'ai été entre impressionné et dégoûté. Ah non, pardon, je croyais que tu parlais du bisou. Ce midi, j'ai regardé 2 collègues manger des côtes de bœuf de 1,8. Oh. Oh. Genre jusque-là.
Alors ça, du chocolat, je veux bien croire que t'en as mangé parce que t'en as jusque là du chocolat. Alors si vous avez la ref, bah vous êtes vieux. Je pense qu'on peut dire que vous êtes vieux si vous avez la ref. Il y a de l'eau partout. Ah, ça aurait pu, mais je pense. Non, c'est plus vieux. Non, 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 c'est pas Maurice et le bouchon. Pourquoi help? On a besoin d'un vieux, j'en étais sûr. L'enfoiré. En vrai, il a jamais. Du coup, je crois que je connais vos âges à toi, Thunder, Monsieur Kuhn, vous l'aviez déjà dit, mais le bisou, il l'a jamais dit, ouais. Moi, je pensais les fameuses crêpes au Nutella que tu offres au bébé. Alors, ça vient d'un sketch. Si vous voulez tout savoir. Alienator? C'est quoi Alienator? Il a presque 50 ans, je crois. Oh. Je crois pas, non. Je suis vieille, j'ai pas la ref. T'es pas vieille, Mirabelle. Bon, c'était. Attends, c'est quoi? C'est. C'est la facture? Non, c'est pas la facture. Si, la facture. L'addition, c'est le sketch de l'addition de Muriel Robin. Voilà, j'avais dit que c'était vieux. Calcul en cours. W8, c'est quoi? W8, c'est une chaîne. Il nous fait chercher la ref, mais il l'a pas. J'avais plus le nom du sketch. C'est ouais, c'est le sketch de l'addition de Muriel Robin, qui est tellement bien. Il a trois gosses, il a codé sur bloc-notes et papier. Ah ouais, c'est vrai. T'as peut-être oublié un 1 devant le 5 dans ce cas-là, à l'euro. Il a 150 ans. Il allume son PC avec l'invite de commande. Bon, j'avance pas moi pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe quand je fais rotate? Nia nia nia. C'est un peu le bordel. Tiens. Hop, hop. Ok. Ça, je peux fermer. Il est où mon rotate? Ok, test rotate. Update after map change. En vrai, il n'y a peut-être pas besoin, hein, vu que les attaques se remettent toutes seules. J'ai pas besoin. Il fait un P. Bah, c'est une balise HTML, non? Le P comme ça. Et merci Elbizu, ça me stressait que la balise soit pas fermée. Putain, on fait vraiment des blagues de techo, ça. Un peu nul quand même. Hein. Ah, maintenant je suis plus obligé d'attendre. Hop, 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 hop. J'ai vu qu'il n'y a pas de système pour skip les coroutines. En tout cas, j'en ai pas trouvé pour le faire facilement. Alors, rotation. Pouf. Non, j'ai toujours les erreurs. Toujours les erreurs, donc c'est pas ça. Rotate, parce qu'ici j'ai marqué quoi? La rotation, rotate à crédit, look at. Bah du coup ça je peux le virer. Hop. Rotate. Gna, gna, gna. Direction supérieure à 5, ça devient 0, ça devient 5. Force next attack. Force next attack, on retire l'attaque, on met la nouvelle. Ici c'est pas nul. On fait tout bien, attaque. Event targeting line. Putain, par contre, pourquoi je fais un. Ah oui, parce que maintenant je mets un titi.
Vas-y, continue de taper, j'adore. Hein. Six ans en 2 jours, ben voilà, on est tous dans la même tranche d'âge, plus ou moins 5 ans. En vrai, c'est marrant, je suis entre vous, quoi. Il y a des gens qui sont ouais, à peu près 5 ans plus jeunes et 5 ans plus vieux. Mais tu es jeune, le scandale! Je suis déçu, moi aussi. La violence, le pauvre. Vu qui vient de prendre 30 ans dans sa tête. Salut Axelis, comment ça va? Je viens de casser un truc, mais je suis grisonnant, hein, rassurons-nous. Te vexe pas, hein, et bisous. On t'aime comme t'es. Hein. La violence. Bon, du coup, vous le connaissez, ce sketch de Muriel Robin, ou pas du tout? Est-ce que je vais me sentir obligé de vous le passer? Mince, j'arrive, ça parle d'âge, ouais. Hop. Rotate, tac. Ah, mais ça va mieux. Ah, le ap.entity. Create attack possibility. Point entity égale. Non. Le nom du sketch me cause. Je connais pas du tout. Je suis toujours le vieux daron pour moi. T'inquiète, et le bisou. Et le bisou, le daron du chat. Mon chat a un caca qui reste. Oh, bah, on est ravis de le savoir. Resté à ses fesses pour essayer de l'enlever. Il s'est frotté par terre. Oui, les gens, ils font ça. Du coup, il y a une trace. Putain. Rassure-toi, c'est pas sur le tapis. Hein. Rassure-moi, pardon, c'est pas sur le tapis. Ah non, mais ça me va en fait. Mais le Robin, j'avoue, c'est pas mon truc. Ah, j'aimais beaucoup quand j'étais. Enfin, toujours aujourd'hui, tu me diras. Après, elle fait beaucoup moins de choses aujourd'hui, mais. Fait partie des. Quand j'étais jeune, des humoristes que j'aimais bien. Sinon, c'était trop adulte pour moi. Tu vois, il me parlait bien. Le mien fait pareil. On est obligé de passer la tondeuse autour de son. T'as un chat à poil long, monsieur Kuhn. Putain, mais la discussion. Ah, sur le parquet, bon, ça va encore. T'imagines, tu aurais fait ça sur le tapis. Moi, mon ancienne minette, mon ancienne minette, elle avait un truc qui n'était pas passé. Et en fait, ils s'assoient les chats et ils avancent avec leurs pattes pour s'essuyer les fesses. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Pour s'essuyer la nuit, ils font ça. Sauf que moi, elle était montée sur mon lit. Discussion de daron avec les chats. T'as quel âge déjà là-haut? Je crois que tu nous l'avais dit. Thunder, c'est 26. Monsieur Kuhn, c'est 29. Non, toi, la roue, tu l'as peut-être pas dit. T'es un fluffy boy. Mais c'est ça, ben oui, mais c'est ce qu'ils font, ouais. Ça, du coup, c'est assez rigolo. Puis après, quand tu comprends ce qu'ils font, tu fais « Oh non !» Et moi, elle avait fait ça sur le lit. Ben, je peux dire, tu vires tous les draps, tu mets tout à la machine. Ah non! On va avoir deux monsieur. Coucou, monsieur Astro. Merci pour ton follow. Je t'ai vu, toi. Chez qui je t'ai vu? Je crois que c'était chez Biggs que je t'ai vu. Chez les joueurs FR, Biggs de les joueurs FR, quand je l'ai raid l'autre jour. Tu venais d'arriver chez lui, je crois. 27 et 26 dans un mois. Ah non, baston. Baston de monsieur. Merci beaucoup pour ton follow, j'espère que tu te sentiras bien, monsieur Kuhn. Non, monsieur Astro, ah putain. Ah ben voilà, je l'ai fait. Ah oui, j'étais là, de quoi tu parlais, Coca? Je quitte la chaîne. Non, reste. Et merci beaucoup. Bon, bah, monsieur Astro, voilà. Tu as à peine follow que tu es déjà sub. Et tu peux profiter des superbes émotes faites de ma main. D'ailleurs, je crois que maintenant je peux me créditer. Je sais pas si vous avez vu ça sur Twitch. Maintenant, les streamers peuvent créditer les émotes. Donc, tu peux savoir quel artiste a fait telle ou telle émote. Je trouve ça cool. Ah, c'est là. Action pause. Pourquoi je le fais pas avant? Attends. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Ah! Node coordinate, attack data. Create attack possibility.
Ah, là, j'ai pas d'entité. Je vais voir. Anti-center. Movement. Ouais, non, j'ai pas d'entité. Bon, j'ai avoir un petit peu de refacto à faire à ce niveau-là parce que c'est un peu chelou quand même. J'ai mon vieux système d'attaque, je pense qu'il mériterait un bon coup de ménage. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça hors stream d'ailleurs, au calme et parce que c'est pas très intéressant pour vous en plus. Merci monsieur. J'ai plusieurs personnalités. C'est mieux, non? J'ai des amis qui me suivent partout, c'est génial. De rien, monsieur. Ah oui, tiens, à boire. Merci, monsieur Kuhn. Monsieur Kuhn et monsieur Astro, on dirait Dupont et Dupont. Alors, tu as mal décrit un des Dupont, mais je te dirai pas lequel. M'avait trop. Ah. Hop là. Ok. Qui fait du ménage en son code? Je gagne 30 FPS, peut-être. Il a mal écrit Dupont avec un D. J'arrive même plus, Dupont et Dupont. Mais non, il y a un Dupont avec un T. C'est ça, hein, je crois qu'il y a un Dupont avec un D et un Dupont avec un T. Et je crois qu'ils sont cousins en fait. Je me souviens plus si quelqu'un se souvient de la blague du truc. Ok, bon, bah ça c'est corrigé. Donc, eux, ils ont l'air de bien rotater. Je sais plus non plus. J'ai plutôt économise 5 Go de RAM. Ah, c'est pas impossible. D'ailleurs, en vrai, je suis à 85% de mémoire. Hein. Depuis que j'ai passé les ombres en high, je vais peut-être les redescendre. Tant pis, le jeu sera moche, mais bon, pour l'instant. Pour l'instant. Attends, fais voir la différence d'ailleurs. J'ai remarqué quand je faisais ça. Voilà. La musique, elle saute et ça ramouille. Si je passe en 2048. Ah bah ça le fait aussi. Bah j'ai changé un truc, je sais pas quoi, et j'ai perdu en perf. De toute façon là, j'ai changé des trucs, je comprends rien. Genre anti-aliasing, j'ai du x4, j'ai mis bon, l'HDR, ouais. Mais en vrai. À un moment, il faudra que je prenne le temps de me pencher sur ces questions-là. Pour rendre un jeu joli, mais qui tourne bien. Je vais en chier pour retenir le nom de mes futurs collègues. Moi aussi, je suis assez haut en mémoire. Comment ça? Par swap la RAM. Ah, du coup, tu peux. Des blagues du genre Monsieur Kuhn et Monsieur Astro sont sur un bateau. Je lirai même plus. Ok, donc eux c'est bon. D'ailleurs, attends. Rotate, et si je fais fin du tour. Parfait. Ça a bien rotaté. Nickel. D'ailleurs, si j'en fais plusieurs aussi, on va tester. Et Dupont et Dupont? Non, c'est des. Ils sont cousins, je crois. C'est pour ça qu'ils se ressemblent. Dupont et Dupont. D'ailleurs, est-ce qu'on va apprendre leur prénom? Blablabla.
Blablabla. Non, c'est pas précisé. Ah non, c'est pas précisé. Le mystère demeure quant au lien entre ces deux personnages. L'orthographe de leur nom laisse à penser qu'ils ne sont pas frères, mais sosies, quoique. Comme pour Tintin lui-même, il ne soit pas clair si Dupont D était et leur nom ou leur prénom. Ok. Ah ben voilà, Monsieur Kuhn. Tu as le même nom de famille et une lettre près que ton cousin, toi? Ça aurait pu, hein. C'est justification. Hein. Alors du coup, tac, tac, tac. Ok. C'est pareil, j'ai des soucis de perf avec les... Enfin, des soucis de perf. Des améliorations de perf à faire avec les twins, là. J'en ai beaucoup trop d'avoir un truc qui fait que je les clean pas correctement. Enfin, j'arrête ça. Ok, donc pour eux, c'est bon. On va maintenant mettre... Qu'est-ce qui va être le plus relou? Bon, de toute façon, faut tous les faire. Préfab. On va mettre ceux qui tirent en ligne droite. D'accord. Ça, c'est les attaques. Ceux qui tirent en ligne droite. If. Il voulait les appeler du con et du con à la base, mais ça passait pas. C'est une blague ou c'est... Ou c'est véridique, vraiment véridique. De la vérité véritable. En. Qrn tapé, point, type. Non. Attaque data, point, type. Attaque time, voilà. Égal. CC. Alors, vraiment, c'est une ambiance chilliste après moi. C'est une blague, mais c'est peut-être vrai. Ouais, je pense aussi, Axelis. La Moulinsart Compagnie est très... déjà RG, et en plus, aujourd'hui... Ils ont hérité de cette rigidité, je dirais. Ok. Du coup, on teste le tir à distance. Ça fait très Jimi Hendrix là. En ligne droite. Ok, ça va être plus facile en fait. Tac. Ça. On s'en fout. Insister, que ça. Bon, je sens de finir mon dernier paragraphe de documentation et je suis libre de ce fardeau! Salut, Raskar Capac 79. Attends. L'instant, j'ai noté des... Je suis mal parti. Alors, coucou à toi, Raskar Capac. Je sais pas quand est-ce que tu avais follow, ou je sais pas si tu viens de dire. Tu viens de dire bonjour exprès, mais c'est un personnage dans Tintin et on vient juste de parler de Tintin juste avant, donc je sais pas si c'est fait exprès. Moi je suis Raskar Capac et je t'attaque avec mon Mac. Et dans la thématique, mais c'est ça, je l'ai vérifié quand même, mais dans mon cerveau ça fait. Tu connais ce nom. Alors du coup,
Oh, la rotation, ça va être le bordel là. Lui, il va tirer là, lui, il va tirer là, lui, il va tirer là. Ok. Ah, nul. Nul, nul, nul. Add attack preview. Il sort d'où ce N? Putain, mais. Il sert à rien. Voilà. Deuxième essai. Comptez-vous pour voir qui est absent? Bon, pas forcément. En tout cas, bienvenue à toi, du coup, Raskar Kapak. Lui est stressé ensuite depuis trop longtemps, c'est suspect. La blague du changement de pseudo, elle coûte cher. Alors, sauf si elle a fait un nouveau compte, mais sinon, elle coûte cher. Non, en plus. Attends. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui a changé de pseudo. Bon. Faut dire qu'il tape juste avec les index. Le papy. Ça fait cher la blague quand même, le rename. Hein. Il va se taper ce pseudo pendant 60 jours maintenant. J'espère qu'il le savait. Du coup. Oula. Alors eux par contre ils tournent dans le bon sens. C'est quand vous voulez en fait le sens. Num direction. Num direction. On peut toujours le tag, il a dû créer un autre compte. Non, parce que c'est quelqu'un qui est follow. C'est quelqu'un qui est follow, donc... C'est pas un pseudo que j'ai vu follow récemment. Ils sont cons, je travaillais moi, monsieur et dame. Je veux parce qu'on suspecte sa visuelle alors qu'en fait c'est peut-être même pas lui. Bah apparemment pas, non. Tu vois, dans mes derniers follow. Follower depuis le 2 février 2022. Ah oui, c'est vrai que tu peux cliquer dessus. Bon, au pire, on lui fout la paix, hein. Peut-être là, mais arrêtez de m'embêter. Je voulais juste dire bonjour, moi. C'est juste un hasard. J'ai pas suivi, il se passe quoi? Bon, il se passe rien, le bisu. Il se passe rien. Bon, par contre, pourquoi là ça tourne dans l'autre sens? C'est tout cube. C'est Snoop Dogg là, ouais. Pas simple. Merci beaucoup Coca. Pour quel en quel honneur? Merci beaucoup. Mmh.
Ah, mais c'était Coca du coup. Attends. Comme ça. Attendez qu'on parle de Tintin. C'est toi Coca? Mais non, il a parlé au-dessus. Faut le voir. Non, 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 c'est pas Coca. J'ai sûrement que ça à faire, tiens. Ouais, je pense que sur son téléphone, en plus, il galérerait pour changer de pseudo et tout. Bah, merci beaucoup en tout cas, Coca. Et des pseudos de BD genre Gaston Lagaffe, Astérix, merci plus l'ami. C'est Lions Banner qui serait content. Je me renommerai pas pour une blague. Flemme d'attendre 2 mois. Mais c'est ça, c'est exactement ça, ça fait cher la blague. Merci Axelis. Merci. Putain, pourquoi c'est dans un sens et pourquoi avec l'autre c'est dans l'autre? Comment j'ai réussi à deviner ça? Attends, il est où mon niveau de test? Le lourd. J'ai rattrapé le truc, donc bonjour, hein, tu arrives pile au bon moment. Rotate from. Ce serait ici sinon. Ah attends, rotate from. Bah non, j'avais récupéré la formule. Voilà, je vais regarder. Red Block Games. Parle tout seul aussi. Quand il me parle, je l'ignore parce que je ne sais pas faire la différence. Oh la violence. Rotation. Rotation. Clockwise. X est égal à moins R. Clockwise. QRS. Clockwise, c'est comme ça. Donc, X. X devient S. Oh, quel enfer. Ça me brainfuck le cerveau. Ce rotate from, je m'en sers où? Je m'en sers juste là en plus. Mais généralement, c'est pour me faire traiter de des choses d'autres, me dire bonjour, c'est pas encore arrivé. Vas-y, je regarde le clash. Passer les saluts beaux gosses quand je passe devant un mur, bien sûr. Ah. Rotate
Rotation. Quand bien même j'inverse. Putain, je vais essayer un truc. Ce serait ça. Suffit que ton enfant te sourie pour que la confiance en toi remonte. La confiance en soi remonte. Mais ouais, il y a la pose de super-héros, tu te mets devant une glace et tu mets les mains sur les hanches comme ça. Et tu te fais des compliments. Ah oui, faut pas que je teste avec eux, faut que je teste. Ils sont où? Ils sont où? Et tu fais l'hélico. La pression monte, Thunder, d'ailleurs. Tiens, par contre, le coup du timescale, je le retiens parce que pour faire des effets de ralenti, ça pourrait être cool aussi. Ok. Bon, bah, je m'étais peut-être planté dans ma fonction de. Dans ma fonction de rotation. Je vais en mettre step 1. J'ai vu le timescale 0 pour mettre en pause. Ah oui, t'es arrivé après. Je cherchais une solution pour pouvoir accélérer, tu sais, pour. À chaque fois, attendre la mise en place des ennemis et tout, je perdais 10 ans. Alors que là, maintenant, je. Hop, tac, tac. Voilà, 3 secondes. Le temps que je vais gagner, quoi. Hop. Maintenant, je teste avec. Où est-ce qu'il est mon niveau? Vous allez me donner mon niveau? Et eux aussi, normalement, ils rotatent dans le bon sens. Tu auras le droit de faire des blagues pourries sans aucune honte ni gêne. Ah bon? Il fallait se sentir gêné avant. Ok, et là, rotation, pareil dans le. Voilà. Ok, ça marche bien aussi. Parfait. Il reste le dernier. L'ennemi, l'attaque de type lob qui va être un petit peu plus relou.
Hop là. Ah oh, détail, j'avais pas vu, mais l'ombre de toutes les entités. Ouais, alors vite fait, je suis pas satisfait encore du rendu que ça a, et je pense que c'est pour ça que le jeu rame, parce que j'ai touché à des trucs à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai triché en fait. J'ai mis un mesh invisible qui fait que display l'ombre, mais droit. Donc du coup, c'est la bonne ombre qui est projetée. Mais du coup, l'illusion passe bien. Si tu dis que si t'as l'impression que ça a été corrigé, c'est parfait. En vrai, le stress monte, mais ça va. Mais je sais comment on m'a convenu à dire « C'est maintenant !» Je vais être en panique totale. C'est pas le pire moment, pas de soucis. En tout cas, on pensera beaucoup à vous quand ça arrivera. Même si en vrai, tu nous le diras pas. Hein. Tu arriveras après coup en disant « Ça y est, c'est fait !» comme Axelis. C'est pas le pire moment, pas de soucis. C'est quoi le pire moment selon toi? Du coup... Lob. Et donc là. Et là, faut que je récupère ce chiffre-là. Celui qui me manque. Après, je pourrais peut-être l'avoir. Hein. Je pourrais peut-être l'avoir. Create attack possibility. Range offset public. Sinon, je m'emmerde pas, je le mets là et puis voilà. D'ailleurs, ce range of 7 que j'ai mis en tant que vecteur. Ah, j'ai mis ça dans l'attaque data. Ah oui. Une direction, attack type. Possibility. Pire moment, c'est la journée ou la nuit ou l'inverse qui suit. Et encore, ça, c'est le point de vue masculin. La femme, elle est. C'est le. Meilleur jour de sa vie! Repose-toi, fais pas de folie, couche-toi le plus tôt possible. J'avais dormi juste 2 heures. J'étais au bout de ma vie toute la journée, je tenais juste sur les nerfs pour soutenir madame. J'ai signé le contrat, je peux pas dire de mal de l'accouchement. Sinon, j'ai dit, pensé, tu as envisagé un plugin stream en rapport avec ton jeu, genre quel joueur? C'est pas du tout la priorité pour l'instant, et le bisu. Peut-être dans un second temps, mais vraiment, c'est très très secondaire. Si j'avais voulu que ça tourne autour de Twitch, je l'aurais pris en compte dès maintenant dans le game design. Mais non, non, actuellement, c'est pas du tout prévu. Mais je sais pas écrire. Mais ça pourrait être intéressant, éventuellement. T'as vu la tronche des viewers? Je crois que c'est une bonne idée. J'avoue, on est des sales gosses. Oui, mais vous êtes mes sales gosses. Current range. Hop là. Ok, qu'est-ce que ça donne? C'est sûr, c'est pas le moment. Peut-être que tu y as pensé. En vrai, non. En vrai, j'avoue.
T'as le splash screen de Exactive Call, puis juste après. Peggy 18. D'accord, t'as cité avec les sages-femmes. Tu le signes en même temps que les tassis. Non! Ok. Donc lui, normalement, il tire ici. Lui, il tire là. Lui, il tire là. Et lui, il tire là. Pardon. Ah, j'ai. Ah oui, oui, parce que le node est nul. Ouais, faut que je gère ça. Mais sinon, mis à part ça, ça marche. J'ai pas signé. C'était encore un abonnement dont il faut se débarrasser, mais il faudrait plus d'années. J'ai pris la formule sans cache. C'est affreux. Bon, petite pause. Petite pause. Et puis, ouais, petite pause. Puis je corrige ça et puis bah, on aura bien avancé sur ce sujet-là. Enfin, manquera plus qu'à faire l'effet graphique et ça sera bon. Où est-ce que je fais des pauses ici? Là. Hop, n'hésitez pas à aller vous rafraîchir un coup. À de suite. Ça passe vite. À toutes. Bonne pause. Merci. En même temps, sur quoi on viewer pourrait influer le prochain niveau? 2, 3 choix, nombre d'élites. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, non, nombre d'élites. Non, tout ça, ça sera level designé. Sur les graphismes temporaires. Oh, c'est dur ça. Non, c'est court les pauses de 5 minutes d'un autre côté. Si je mets plus long, 10 minutes, ça fait long pour vous, quoi. Là, je vais récupérer l'acide parce qu'elle est pas mal pour tester là. C'est beau. Ah ouais. Le jour où je commencerai à avoir des graphismes potables et tout, on pourra mettre un c'est beau. Ou même mettre une émote c'est beau. Ah, j'ai complètement oublié l'émote de FF1 là, avec le doigt. Je suis pas sûr qu'une émote de fuck ça passe. Potable. T'as raison, faut que j'arrête là-dessus. Du coup là, rotate, c'est bon, par contre là, ouais, force next attack, c'est ici plutôt. Taille différente de nul. Du coup, est-ce que si ça cible un node qui n'existe pas, ça renvoie nul?
Comment j'avais fait ça ici? Chaque node. Targeted. Type. Ah, donc ça arrive en fait. Ça arrive. Parce que dans Into the Breach, quand tu déplaces un ennemi qui tire en lob et qui tire en dehors de l'écran, ça annule son attaque. Mais si jamais il rotate. Non, je pourrais juste faire ça en fait. Si jamais. Oups. Si jamais. Son attaque est nulle. Var. AP. Je peux la voir ça. Non, c'est pas attaque d'attente en fait, c'est attack possibility. Ouais, target coordinate, c'est ça. Donc si if ap.target ah mais je vais y arriver. Je sais pas si où est l'âme ici. Get node at. Non. As node at. Voilà. S'il y a une node ici. Sinon. Je peux mettre un L100. Voilà, sinon c'est annulation de l'attaque. Ok, test. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end, les petits loups? Besoin d'attendre. Test rotate. Alors attends, lui il cible là, c'est de là, il cible ici et lui il cible là-bas. Donc là si je tourne, je cible à l'extérieur. Si je retourne, son attaque est annulée. Ah. 205. Ah oui. Ici cet crédit hop dormir et enfin jouer un peu jouer à quoi et voir d'autres humains un peu parce que ça va plutôt pas plutôt être d'autres êtres humains qui viennent vous voir. J'hésitais à aller au Stunfest mais je connais pas du tout, je connais personne. J'ai hésité aussi, mais ça faisait loin mais il faudrait. En fait, il y a le Stun. Vous connaissez le Stunfest, mais juste avant, il y a un événement pro des créateurs du jeu vidéo qui s'appelle la Donne. Peut-être que vous avez entendu parler.
Et je me suis dit, j'aimerais bien commencer à faire ce genre d'événement, mais quand j'aurai un truc potable à montrer. Pas forcément potable graphiquement, mais solide d'un point de vue gameplay et peut-être business plan aussi. J'aimerais bien avoir ça rapidement, ouais. Demain préparation valise et dimanche décollage pour les vacances en Vendée. Oh, ça va, tu vas pas très loin. Une semaine du coup, être bisu, ça va être cool. Désolé, j'entends rien, je suis en appel Steam. On appelle Team. Pourquoi le 2.3, monsieur Kuhn? C'est cool la Vendée, ouais. Alors du coup, rotation, 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 rotation. Ok. Et ben voilà, bah finalement la rotation ça a pas été si terrible. Hein. Bah oui, j'aime bien. Mais ouais, tu dis ça comme si c'était honteux. Tu sais, cette émote. Et le petit côté. Vois ça comme si c'était honteux. Oh. Ouh. C'est chaud. J'avais un doute quant au fait que le ventilo tournait jusque chez moi. Ah, ça va être chouette, hein. Avec les trois enfants, ça va être sport aussi. J'espère qu'ils seront sages, que vous puissiez vous aussi vous reposer. Attends, moi c'est demain soir, on a soirée de jeu avec des amis. Sinon ça va être calme, on va préparer les vacances pareil. Ce week-end, je ramasse mes fraises. Oh, il y a encore des fraises à cette saison. Et si ça me prend, je les coupe dans du rhum avec de l'amande fraîche. Comme ça, on a un pote qui vient manger à la maison, sinon ça sera week-end calme et chaste. Bon, j'ai filé, il disparaît dans un. Là, je vais fumer de chez lui. Eh ben, des bisous et le bisou alors. Tu pars plus tôt du coup. Hein. Bonne route à toi et puis bon week-end. Et si on se revoit pas, bonnes vacances. En fait, mes vacances tombent bien, en fait. Profitez-en pour partir, hein. Tout le monde maintenant. Oui, j'ai calé deux fois en fait dans une même phrase, en fait. Festival JDR et jeux dans ma ville. On verra ce que ça donne. Pouf, c'est tout. Et là, t'appuies sur ce bouton et pouf, c'est tout. Vas-y, clique dessus. Pouf, c'est tout. Festival JDR et jeux dans ma ville. Ça peut être cool, hein. Tu vas tout seul ou tu vas avec des gens que tu connais? J'ai eu une nuage qui disparaît dans le. Des bisous tout le monde, je passe en l'air. Ça marche, des bisous et le bisou. J'ai planté. Ok, donc ça c'était la première partie du truc. Je peux couper ça. Récupérer ça. Ah oui. Spend d'énergie. Game data point défaut. Oui, des fois dans mes commentaires, je mets un peu de français. J'aime bien mes to do, je peux pas les louper en jaune comme ça. Rotate. Ah, c'est une bonne question ça. On va le mettre ici. Bull clockwise. Et int step.
Tu reviens de Marseille? T'étais en vacances, Mirabel? T'es dans quel coin, toi, déjà? Juste pour voir dans quelle distance tu as fait. Ma copine et peut-être des amis s'ils décident à bouger. Ah. Ils sont pas. Enfin, ils sont moins fans que toi de JDR, de jeux de plateau, c'est ça? Ça, normalement, j'ai pas besoin. Ok. Ça c'est bon, et du coup ici, Unmoose Left Up, je l'avais déjà mis. Do Rotate Action. C'est quoi? Oui, Trou. Non, l'organisation c'est pas leur truc. Ah, mais je veux dire, tu n'y vas pas, Coquard, en tant que participant. Tu organises cet événement. Ah. Près de Reims, ouais, voilà ce que tu m'as dit. Mais mon frère à Marseille, mon fils à côté. Ok. Ah oui, du coup, oui, ça te fait une bonne trotte, hein, dis donc. Du coup, t'as passé quelques temps en famille. Nice. Si, en tant que participant, moi, c'est toujours pas qui vient ou pas. D'accord. Ah oui, ok, pour l'organisation, ok, dans ce sens-là. Vitry-le-François. Ah, c'est bien un nom de la région parisienne, ça. Donc, du coup. Hop. Skill. Ah merde. Sélectionne pas le bon. Ça et ça, on peut fermer. M'appuie. Non, c'est pas ça. C'est dans HUD. Je sais où c'est. C'est là. Je lui ai pas associé la bonne fonction. Voilà. C'est pas la région parisienne, c'est dans la Marne aussi. Bah, la Marne, Seine-et-Marne, tout ça. Non, je sais pas. La Marne, c'est où la Marne? Ah, j'ai oublié un M. La Marne. Marne-la-Vallée, Disneyland. Ah oui, ouais, c'est ouais, oui, c'est vrai que c'est pas la région parisienne, effectivement. Ah, je pensais que. Ok, bah, j'apprends un truc. Ok. D'ailleurs, le chef d'équipe qui vient me sauver, il a résolu le problème en 10 minutes, je suis dessus depuis 3 ans. Je suis passé par Carcassonne, ça fait long de train. Ah ouais, t'as fait un joli détour, hein. Marne proche Meuse. Vitry-le-François, effectivement. Ah bah vous êtes pas loin du coup avec Coca. Du coup, deuxième test. Rotation. De cette. Il me fait. What? Un clic rotate. Rotate. Ah oui. Je m'en sers ailleurs de ça. Je m'en sers ailleurs. Même si en vrai, j'aurais peut-être moyen de tout centraliser. Ok, allez, ce coup-ci c'est la bonne. Pays de la Mirabelle d'ailleurs. J'allais le dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu une petite Mirabelle. Ça se mange pas les Mirabelles, ça se boit. Ça se boit pas, pardon, ça se mange.
Petite tarte au Mirabelle là. Et oui. En général, c'est dans le punch que je le bois. On a fait de la goutte l'année dernière. De la goutte, c'est quoi de la goutte? Un alcool? Alors chez moi, la Mirabelle, ils la distillent et ils la boivent, mais c'est de la gnôle hyper forte. Il n'y a que moi qui mange de la Mirabelle en tarte. Ok, ouais, j'avais pas le feedback. Ok, ça marche. Bah, il reste plus qu'à faire le feedback. Plus qu'à. C'est plus compliqué. Du vin de pêche. Ouh. 90% d'alcool et 2% de fruits. 8% de sucre. Ouais, il fait de l'alcool, quoi. De l'alcool goût pêche. En tarte, en confiture, en clafoutis. Mais oui, c'est trop bon. Pour moi, Mirabelle, c'est un quartier de Montréal. Putain, décidément. La goutte, c'est l'eau de vie. Ok. Ah, je suis pas très porté sur l'alcool, j'avoue. Ça brûle un peu quand tu le vois. Et quand tu le bois, ouais, je pense. C'est plus de l'alcool à ce point, c'est du parfum. Mais tellement. Putain, j'ai le cerveau en carpette. Il fait trop chaud. Il fait vraiment trop chaud pour travailler là. J'en peux plus. Est-ce que vous avez la température de là où vous êtes là? Moi, je vais aller voir. Est-ce qu'on a pas... On a repassé les 28. Il fait 27,7 dans la pièce. Ah non, non, je parlais dans votre pièce, pas dehors. Je sais pas si vous avez un thermomètre à l'intérieur. J'en avais ramené au repas de Noël avec mes collègues. Gros regret, on a eu trois vomis. Non, pas de coquille, ça brûle déjà rien que de le voir. 16 grâce à la clim. Oh, 16, il fait froid, 16. Petit punch lorrain, eau de vie Mirabelle, Perrier, sucre de canne. Ah, je vais vous demander un panier garni avec tout ça. J'ai envie de goûter les trucs de vos régions. 23 degrés, putain, tranquille. C'est pas à mon tour d'avoir la télécommande, j'ai froid. Comment on pourrait faire ça? Allez, je vais vous laisser. Déjà? Eh ben des bisous, monsieur Kuhn. Je cherche la motivation pour récupérer mes lunettes et ne pas rentrer chez moi directement. Ah oui, je me souviens des lunettes que t'es allé faire. 24 degrés dans la pièce d'à côté pour moi. Putain, je suis jaloux. Des bisous, monsieur Kuhn, et bon week-end à toi si on te revoit pas ce soir. Ni dimanche soir d'ailleurs. Enfin, dimanche soir, ce sera la fin du week-end. Donc bon week-end à toi si on te revoit pas ce soir. Des bisous! Qu'est-ce que je pourrais faire comme feedback? Bon, faut un feedback qui fasse toute la ligne. Il fait 20 degrés en température extérieure. Vas-y, il fait combien là? Je rigole chez moi. Entre 28 et 30. Genre, il fait plus chaud à l'intérieur de l'appart que dehors. Ah ouais, il fait 20 chez toi apparemment. Putain, je suis tellement jaloux. Ah, moi, j'aurais bien voulu aller en Bretagne, mais il n'y a pas assez de montagnes. Son gueule, il fait 27 avec de l'orage dehors. Météo Québec. Oh oui, non, bah. Il va faire d'autant plus froid. Hein. Ah oui, ouais, effectivement, il y a de l'orage dans le nord de la France. Vas-y, soirée. Nuit. Et demain. Matin 22 et demain il fait 31 encore.
Et c'est dimanche que vraiment ça commence à descendre. Oh bah non, 34. Ah, c'est le soir. Dimanche soir, ça pète. Dimanche soir, il y aura peut-être une coupure du live. Et après lundi, ça recommence à redescendre. Oh là là, le week-end, il va être tellement long. Je suis à Chambéry. Entre Grenoble et Lyon. Enfin, pour la météo, je regarde entre Grenoble et Lyon. Le nom, quoi. Ouais, de temps en temps, ça monte un peu, c'est vrai. Faire trouver un petit lac pour te rafraîchir. Ouais. Bah ouais, mais bon. La journée, on taffe. C'est vrai que ce week-end. En plus, j'aimerais bien bosser un peu ce week-end pour rattraper ce que je ferais pas pendant les vacances. Mais là, j'avoue, là, j'ai du mal. Hein. Bon allez, on va essayer de se motiver un peu. Hop là. À la fin du stream game dev, on passe We're Here Together. Je suis pas sûr Tita et la foi là. Mais en vrai, je me tâte à lancer FF2. Mais je voudrais faire une coupure entre les deux streams, sinon ça va faire très long jusqu'à ce soir. Déjà changer de musique, tu m'étonnes, ça motive pas ça. Bah j'avais envie de trucs chill pour cet après-midi justement. Mais peut-être qu'on peut mettre un truc un peu plus péchu. Bon, si je vous remets du FF, vous allez crier. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Tiens, apparemment quelqu'un a dit la BO de Katana Zero est très bien et je l'avais en attente. En vrai, quand il fait beau comme ce mois-ci, c'est vrai que j'arrête de pas avoir un PC portable pour l'emmener avec moi dehors et te poser dessus. Ouais. C'est trop chiant le PC dehors. C'est vrai que tu vois pas grand-chose. Ouais. Comment je peux vous faire représenter ça? Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, dedans. Voilà. Alors. Faire ça dans l'ordre. Est-ce que j'ai une particule qui traîne là? Voilà, on va prendre ça. Y a un petit côté K2000. Ensuite. Je veux que ça soit le long d'une shape, effectivement. D'une shape, est-ce que la velocity over lifetime, oh, on s'en fout de ça. Désolé, je remute les notifications. Hop là.
Prends des lunettes de soleil, ça te cachera, mais du coup, je fais encore moins l'écran. Bon, elle réveille pas beaucoup la BO de Katana Zero. Après, tu me diras, c'est le main theme, ça, mais bon, quand même. Ok, et ensuite, Orbital en X. Non, en Y. C'est pas Orbital que je veux, moi. Non, en fait, je... Non, non, mais ça, c'est bien, en fait. C'était Alexis, Axelis qui disait déjà changer de musique, tu m'étonnes que t'as du mal, ça motive pas ça. J'avais mis un truc chill, mais en vrai, si je mets un truc trop punchy, ça va me prendre la tête. Ah ouais, du chipzel. Il n'y a pas moyen que ça fluctue. Oui, parce que là, elles descendent. Moi, je voudrais que ça fasse ça. En vrai, non. Non, je voudrais pas que ça fasse ça. Attends. En vrai, c'est des particules qui n'avancent pas. Comme ça, c'est-à-dire que chaque particule tourne. Vas-y, attends, on va essayer. Hop, toolkit. L'effet rouge est à la lumière de K2000. Oui, ce que je disais, ouais. Je vais changer la couleur et pouf, on a K2000. New clean material. Ah, ça joue plus. Ce que j'ai. Oula. Ça charge tout. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Additif. Alors pas cet effet-là, mais il y a moyen de faire un truc avec ça. Alors pas cette forme-là par contre. Mais ça par-dessus qui tourne, ça pourrait être pas mal. Avec genre ça. Et par-dessus j'ai ça. Plutôt regarder ici en fait.
Ça fait un peu bizarre. Référence de vieux. J'étais AFK pour une réunion sur Spruce. Vous n'avez pas besoin de vous excuser à hein, chaque fois que vous partez parce que vous avez une réunion pour le boulot. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va le save. C'est matériel tout folder. Hop, ici. Et on va mettre ça. Rotate. Ok, ouais. Ouais, les choses, les autres, je les faisais pas avancer. Ça marchait bien, mais là, ça marche pas du tout. Ici, du coup. On dirait que l'asset est pas chargé et qu'il y a un spinner à la place. Ok, j'ai compris, ça marche pas du tout. C'est vrai que ouais, t'as raison, ça fait vraiment truc de chargement. On bête des cœurs. Ah, il a inversé. Je vois un petit peu tout ce que j'ai. Hein. Bon, le truc qui tourne en tout cas. On va l'oublier. Je vais faire une petite pause bio, je reviens de suite. Heureux. Dans quelques minutes, notre nouveau gouvernement va être annoncé apparemment. Bon, de toute façon, on fait pas de politique sur la chaîne, hein, chacun ses opinions.
Mais voilà, si vous voulez aller voir. Oui, de toute façon, Thunder, oui, c'est vrai que toi, tu t'en fous un peu maintenant. bon, ok. Est-ce qu'il faudra faut d'abord que je fasse la particule? Ou d'abord je fasse l'effet? Parce qu'autant avec la poussée, je voulais montrer, indiquer un mouvement avec le fait d'attirer aussi, mais là, en vrai, j'ai juste besoin d'indiquer la ligne sur laquelle ça va agir. Je m'en badigeonne les boyaux de l'indifférence dans le sens de la grande longueur. Elle est pas mal celle-là. Le retour de la variole. Ah, parce que l'histoire de la variole du singe là. Non, mais ça va disparaître aussi vite que ça arrivait, je pense. Pourquoi je suis en 16. Ah, c'est parce que j'ai zoomé. En fait. En fait. Spread. Ok. On m'a dit la même du Covid. Ouais. Je sais pas, on verra bien. Too late. Disons que ça sert à rien d'être stressé en avance parce que t'auras aucun contrôle dessus. Le mieux, c'est de faire attention, effectivement, mais non, tu pourras pas avoir de contrôle dessus, donc bon. Essayer de relativiser un maximum et de se dire, bah écoute, si ça doit arriver, bah je ferai attention pour m'en protéger un maximum. Hein. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais laisser ça. Je pense qu'on va s'arrêter là, en fait. Je vais laisser ça reposer. Et voilà, parce que je sais pas du tout quoi faire comme effet. Ou alors, c'est pas des particules en fait, sinon. Attends, ou alors je tente autre chose. Avant d'arrêter là. Attends un petit. Est-ce que je peux faire un. Je fais un quad. Un sprite. Ok.
Ouais, je le vois là, mais ici je le vois pas. Pardon, je vous rattrape. Depuis 6 jours, le masque n'est plus obligatoire en intérieur, seulement en transport en commun. Ouais, pareil ici. Ah non, non, pardon, non, non, nous, intérieur, ça avait sauté. Là, c'est le dernier rempart, entre guillemets, c'était les transports en commun, et justement, ça a sauté. Un peu de fouf. Par contre, je sais pas pourquoi c'est ultra blanc. Il y a un mélange. Ouais, c'est pour ça que non, je ne veux pas utiliser le sprite renderer. Utiliser un quad. Mais. Parce que le problème, c'est que là, si je le scale. Et oui. Y a pas de tiling. C'est que là, si je l'allonge, bah, c'est pas très beau. Alors qu'avec un sprite renderer, au moins je pouvais tiler. Non, je pige pas. Mes yeux. Ah, je pige pas. Je pige pas. Parce que si je fais ça, mais que je le fais genre 5 fois plus grand. Après, en vrai, c'est pas très choquant. Mais si la ligne est plus courte, ça va se voir. Et en fait, il faudrait qu'ici, je tile sur 5. Voilà, pour avoir le même truc. Ah, par contre, ça va 5 fois moins vite. Ah ouais, donc en plus, ça changerait la vitesse. Quoique. Si c'est 3 ici. Et 3 là. Non, je crois que c'est la même vis. I'm throwing my laser. C'est-à-dire que je change dans les deux, quoi. C'est relou. Même énergie. Mais le vert, ça fera des rayons gamma. Et le cristal va devenir Hulk et toi cassé. Je vais tout casser. Ça, c'est plutôt Ralph. T'as d'ailleurs, en parlant de Hulk, vous avez vu le reveal hier soir du prochain jeu. Bon, ça va être un free-to-play, mais du prochain jeu du jeu de cartes Marvel fait par des anciens de Hearthstone.
Même si on n'aime pas le jeu de cartes, franchement, ça avait l'air super beau, juste pour le côté, côté joli du truc. Je vous le drop ici. Bon, je suis arrivé chez Madame la Nounou. Des bisous et bon week-end si on se croise pas d'ici là. Des bisous et le bisou. Merci d'avoir passé ta semaine avec nous si on te revoit pas ce soir. Sinon, bon week-end à toi. Chouchou. Comment je pourrais faire ça? Cast Shadows, ouais. Après, en vrai, je dois pouvoir y accéder en code. Hein. Underscore shape color. Ah, d'ailleurs, si j'en mets un deuxième, c'est le même nom. Shape color. Shape de color, ok. Petite fringale là. Au pire, je peux l'éditer via le code hein, pour que ça soit raccord. Par contre, ouais. Ce serait plutôt à la limite. Ça comme ça. Et lui qu'on scale. Ok, je commence à voir comment ça va prendre forme. Ah oui, les deux sont en additif. Et moi, il m'en faudrait presque deux différents. Ok, je peux booster les deux s'il faut. Je vais y aller aussi, je dois faire un bain de ménage avant que le proprio arrive pour faire une visio de l'appartement pour la prochaine location. C'est assez précis. Pour comment ça, c'est assez précis. Mais sinon, bisous à toi. Merci d'avoir passé ta matinée avec nous. Moi, je pense que je vais arrêter là aussi, de toute façon. Je vais arrêter là. Donc, sauf si tu veux rester pour le raid, mais ouais, je vais arrêter là. J'ai la tête comme une pastèque. Oui, j'ai tout compris. Mais pourquoi tu me demandes ça? Il est bizarre ce garçon. Non, je dois y aller. Ça marche. Mais des bisous, Sander.
Bonne fin d'après-midi à tous alors. Je sais pas chez qui je vous envoie là. De toute façon, on se retrouve dans 1 heure et demie, hein. Pour rien laisser tomber. Pour rien laisser tomber. Ça marche. Des bisous, Sander. Tu achètes ton appart, quoi. C'est ça. Chez qui je pourrais vous envoyer là pour finir l'après-midi? Ok, et sinon, qui d'autre? Elle le fait avec qui? Bah, j'avoue, je sais pas. Bon, je pense que je vous envoyais chez un Foréa qui fait. Que si vous le connaissez pas, il fait du. Il fait de la récup et du. De la remise. Remise en forme, remise à neuf de vieux PC, notamment portables et tout. Pour éviter un maximum de déchets. Et je trouve que son intention est super louable. Et c'est un poète-poète aussi. Du coup, je vous envoie ouais, chez lui. Et puis voilà, puis pour ceux qui veulent voir la suite de FF2, et ben tout à l'heure à 18h, et puis pour ceux qui veulent voir la suite de We Were Here Forever avec Tita, ben c'est tout à l'heure, à probablement vers 20h et plus. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. J'étais pas ultra efficace, enfin si, la partie technique ça allait, et là pour faire des FX, il n'y avait plus personne, hein. C'était compliqué. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien aussi pour les follow, les subs et les raids. Et puis je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bisous, tchou.